Bonjour tout le monde, ici The Rock, 14e épisode avec les Penguins de Pittsburgh. En 14 épisodes, ça a changé pas mal. On le voit déjà là. Après Christopher Temps, les Penguins ont maintenant un nouveau corps arrière avec euh, cette équipe-là, Quinn Hughes, pour les 7 prochaines années à 15 millions de dollars. C'est un des plus gros contrats jamais donnés dans la Ligue nationale jusqu'à présent, mais je pense que ça va valoir tout. C'est millions d'avoir un Quinn News dans notre équipe. On est au début de cette euh, saison-là. C'est une saison de, encore une fois, reconstruction, mais ça commence à prendre forme. Hein? Euh, on, on a regardé des options, on a fait des drafts, on a signé des joueurs. Plus ça va, plus on commence à bâtir une équipe ici à Pittsburgh qui a du sens, qui, a, euh, qui, qui fait du sens et qui va compétitionner. L'an passé on ne pensait pas faire les séries, on les a fait. Est-ce que cette année on a des attentes de faire les séries On les fera pas. Je pense que c'est la dernière saison où on peut se dire que c'est encore une saison de développement. On veut que nos jeunes produisent, montent en overall, se placent, se positionnent comme des joueurs réguliers dans la Ligue nationale et après et après on regardera pour devenir compétitif. Donc dernière saison où les attentes sont un peu plus basses avec les pingouins. Mais on veut quand même voir une progression chez nos jeunes. Il y en a eu une très belle progression. On va aller voir les lignes rapidement. Après ça, on va aller voir les commentaires et on va pas mal commencer la simulation. Mais on a un enjeu c'est les gardiens de but. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Et là, avant de poursuivre, je veux m'excuser d'avance pour ma voix de gars grippé. Je ne peux rien y faire, mais j'avais quand même envie de vous euh, faire quelques vidéos. Pour la semaine, parce que si j'en fais pas pendant quelques jours, vous en avez pas pendant quelques jours. Ok, donc les trios pour l'instant, pas beaucoup de X Factors, des overalls quand même assez bas encore pour l'attaque, mais des jeunes qui ont eu une augmentation d'overall significative. Est-ce qu'on y va à 20 ans, deuxième saison dans, dans la Ligue nationale Michael Misa, euh, Barrett Ayton et Travis Konechny, c'est nos trois meilleurs joueurs en euh, termes de potentiel X Factors overall. Deuxième, Jagger, Crosby, Fanef, Tursumbaev, Osloon et uh, Callum Ritchie. Un jeune joueur un peu à la Jagger et Osloon euh, et qu'on veut faire progresser. On se souvient, on est allé le chercher à, au Colorado. Brian Ross, Kastelik et uh, Warren Fogel. Tursumbaev, 20 ans, élite. C'est un joueur qui passe sous le radar des Osloon, Jagger, euh, Missa et Faneuf. Mais ça va être tout qu'un joueur. Sergei Tursumbaev. Euh, défensivement, Quinn Hughes, et là on a un enjeu. Est-ce qu'on y va avec Muse ou est-ce qu'on y va avec Renault? Euh, Valley Mackie et un des deux. Mahura et euh, Arbor Jackai. Honnêtement, moi je penche je penche plus pour François Renault parce qu'on veut qu'il évolue. On veut qu'il euh, prenne de l'expérience avec un Quinn Hughes qui pourrait être un bon leader, un bon coach. Valley Mackie et Henry Muse, je trouve que ça fait parce que... Yosey Muse, c'est deux joueurs, deux défenseurs offensifs. Valimaki, je pense que... Et Renault, ça vient stabiliser un peu notre top 4. Euh, et dans les filets, par un piqué, on va gérer ça plus tard. Et dans les filets, on a Gabriel Daigle et Gage Alexander. Euh, deux jeunes gardiens, Gage Alexander, qui a l'an passé, c'est probablement la raison pourquoi, avec son 908 de pourcentage d'efficacité, c'est une des raisons pour laquelle on a pu faire les séries l'an passé. Mais Gabriel Daigle, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt après trois saisons superbes, 12 jeux blancs à Victo Est-ce que vraiment on peut déjà le lancer dans, dans la Ligue nationale avec une équipe qui n'est pas parfaite euh, des pingouins ou est-ce qu'on l'envoie dans les juniors, dans les minors, donc dans l'équipe HL pour qu'il aille qu tout renfler en bas et on y va avec Alexander et euh, Marc andré Fleury encore une fois on a Waldman et Brock McGinn comme euh, attaquants supplémentaires et ben c'est surtout là-dessus que je voulais que vous commentiez donc on va aller voir vos commentaires. Euh, Bedard 98 qui dit y a pas de balotage en série alors tu aurais pu descendre la plupart de tes joueurs en haut exemple Crosby euh, honnêtement je voulais garder ça le plus réaliste possible quand même. Donc, juste les jeunes qui sont allés en bas. Maxime Ouellet, salut de Rock. Petite idée te proposer si jamais tu es tanné du Biopro. Euh, donc, euh, le commentaire qui a été beaucoup liké, je l'ai lu. On se concentre sur les pingouins, mais effectivement, ça peut être une bonne idée. Tes trios à l'attaque sont parfaits. La défense pour que Renault progresse. Il doit jouer avec Use, pas Muse. <laughs> ça fait bizarre dans la même phrase. Euh, Vachon, on essaye Use et Muse ensemble, ok? C'est intéressant. Tes lignes à l'attaque, c'est parfait comme ça. Go la jeunesse. On fait la rotation Alexander pour Gabriel Degg. 35 environ les games. Le reste à fleuri, car les deux vont moins bien. Sinon, peut-être que ce sera judicieux. De réussir un trade pour un first round pick, qui sait quel top Il peut devenir beau travail. Merci. Continue du GM incroyable. Beau travail avec l'équipe. On fait jouer Daigle avec une bonne rotation. Je pense que Hughes peut faire monter Renault en overall s'ils si jouent ensemble. Pour la situation des gardiens, je pense que tu devrais envoyer Fleury dans les mineurs. Ça, je suis moins d'accord un petit peu. Euh, avec Fleury. Il faut qu'il joue ses derniers moments dans la Ligue nationale. Pour moi, ce serait Muse qui joue avec Quinn et gage Alexander comme premier gardien, histoire de ne pas trop donner de la grosse pression à Gabi Daigle à sa première saison dans la Ligue. Euh, J'adore la signature de Quinn, c'est une bonne idée. Il faut que Renault joue sur le premier trio, car c'est un défenseur pur, et aussi pour qu'il progresse, peu importe ce que tu fais, il faut Keep Alexander. Euh, idée pour tes vidéos, parfait. Euh, encore un bon épisode. Euh, toujours un excellent commentaire de David Pelchonegle. À l'attaque, on start la saison comme ça. Je sortirais les contrats qui sont assez gros, et qui peuvent facilement remplacer comme Rust à la trade deadline, dépend de la performance et la valeur, bien sûr. Effectivement, mais si je trade des gars comme Rust, il faut que je respecte le plancher salarial. faut faire attention à ça. À la défense, j'aimerais qu'on aille chercher un div droit pour jouer avec Quinn Hughes. Donc, un défenseur 91 à 84 qui a un bon contrat avec autour de 5 ans pour suivre Quinn. Quelqu'un qui a environ le même âge, 24 à 29, 30 ans, ou une option à court terme en attendant le développement des jeunes. Comme ça, tu peux faire jouer Hughes et l'autre joueur, Renault Muse, Valimaki, Jack Height, tu peux jouer Maura plus Virgilio plus un gardien ou un deuxième round. Donc, j'aime un peu sa façon de voir pour la défensive. On y voir nos options par rapport à ça. Et pour les gardiens, j'adore ce qu'il a dit. On y va avec... Un ratio à trois gardiens, un peu comme le Canadien cette année. Je vous en reparle plus tard parce que je ne veux pas alourdir ce moment-là. 15 millions, c'est énorme, mais beaucoup de signatures à rabais. Effectivement, c'est pour ça que je, je suis allé euh, vers cette signature-là. J'ai lu tous vos commentaires, les boys. J'ai vraiment pris le temps et je vais y aller avec un petit sommaire de ce que vous avez pensé. On y va à une étape à la fois, côté gardien de but. Euh, Gabriel Daigle et Gage Alexander vont commencer. Mais vous allez voir, on va faire beaucoup de, de management dans cette vidéo-là parce que je veux quand même que Marc-André Fleury joue quelques matchs et je veux qu'il soit dans l'entourage. Donc, ce qu'on va faire, c'est assez simple. Pour les gardiens de but pour l'instant, pour les quelques premières semaines, deux défaites pour Daigle et il est out. Ensuite de ça, deux défaites pour Alexander, il est out. Et une défaite pour Fleury, il est out. Donc, on va avoir une rotation comme ça: 2, 2 et 1. Et si je vois que Gabriel Daigle fait vraiment pas bien. Et que ses statistiques sont pas bonnes, on va le descendre dans l'équipe HL et ça va être Alexander et euh, Marc-André Fleury. Pour ce qui est de l'attaque, on garde ça comme ça pour l'instant. Euh, personne n'avait rien à dire. Pour la défensive, je pense qu'effectivement, si on trouve pas d'option avec Quinn News, ça va être François Renault. Mais j'avoue que le commentaire de David Pelchedeg faisait beaucoup de sens. Et je pense qu'un. Euh, je pense qu'un Renault et Muse, encore une fois, sur une deuxième paire moins exposée un peu, ça pourrait être intéressant. Et un. Euh, et un Valley Mackie et on trade ma Oura. Mais ça, c'est si on trouve une option intéressante que je vais aller chercher maintenant. Cette année, on a notre choix de premier tour des Pingouins, le deuxième des Pingouins, le 4 et un 5. Donc, quand même pas si mal pour l'instant. Voici les joueurs que je serais disposé à échanger. Notre gardien Coolies, qu'on a repêché, <coughs> 74e. Euh, C'est-tu l'an passé ou il y a deux ans Bref, Dell Coolies. On, on, a déjà, euh, on a déjà des bons joueurs là côté On a déjà des bons gardiens. Gabriel Deck, Gage, Alexander, on peut toujours en drafter. Donc, profitons de la valeur de Dell. Maoura, qui a quand même une bonne valeur aussi, si jamais on le trade, parce qu'on va trouver un meilleur défenseur. Et c'est là que je vais chercher dans la Ligue nationale pour une équipe qui soit veut donner un excellent défenseur. Si jamais il n'y a pas de défenseur sur le marché, je peux regarder, mais je n'ai pas envie de forcer une transaction non plus, j'ai pas envie qu'on devienne une puissance de la ligue nationale cette année. On est encore en reconstruction, je veux pas brûler d'étapes quoi news. C'est une signature que je pense qu'on devait se faire vu qu'on avait la place, mais il faut pas forcer une transaction non plus. Pour l'instant, c'est des bons joueurs, mais c'est pas un défenseur, je veux un défenseur et pour l'instant, il n'y a pas nécessairement de défenseurs sur le marché, c'est beaucoup c'est beaucoup des euh, des attaquants, des bons attaquants. Mais c'est pas ça qu'on a besoin pour l'instant. Vegas Washington. Oh, Washington, pas de défenseur, il y a Carlson, mais pas de défenseur nulle part. Ok, parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder des équipes qui en ont peut-être plusieurs des défenseurs et voir si on peut faire une transaction. Mais si je... Parce que pour l'instant, toutes les équipes sont une-deux, ça ne fait pas de sens pour aucune, équipe, aucune équipe de trade. Peut-être Chicago, Korchinski, Seth Jones, qu'on un Seth Jones à 3 ans, mais 32, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Chicago ferait pas ça. McCart, Taves, Byron, Sam Girard. T'sais, ils ont une solide solid top 6. Est-ce que côté gardien, Vladar, Montambo, Makiniami, oh, hein. honnêtement, oh, mais ils ont déjà un élite. Ils n'ont pas besoin. Ils ont déjà un élite et ils veulent s'en départir. Donc, non. Non. Ça prend une équipe qui a besoin d'un gardien aussi. Mmh, Victor et non. Tu sais, pour l'instant, il n'y a rien. Moritz sider non. Bouchard Nursling, non. Euh, Montour et Blad, non. Euh, Clark Anderson, non plus. Wild, non. Montreal. Hudson Force. Oh! Montreal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y en a clairement un de trop à Montréal. OK, on garde Montréal en tête. On garde Montréal en tête. Ça pourrait être intéressant. J'aurais peut-être aimé ça trouver une, une équipe dans l'ouest, mais bon. Luke Sigintahler. Pas une grosse valeur. Jonas Sigintahler, 85 défenseur pur. Pourrait jouer avec Quinn News. Un contrat d'un à 3,4 millions. Sigintahler, ça peut être pas pire, là. Les Devils ont une bonne, quand même, une bonne défensive. Est-ce que les Devils ont des bons gardiens Pas de gardien prospect. Oh, ok. Les Devils et le Canadien. On continue. Les Highlanders, ben, un peu comme les Devils, mais bof. Non. Non. Non plus. Les sharks, non. Kraken, non. Les blues, non, non. J'ai pas mal là, le Canadien et les Devils en tête. Et ça va être ça. Ça va être effectivement ça. On va s'essayer avec les Canadiens parce qu'il y avait plus de défenseurs. Anafin Sennheim, Brandon Carlo, 5 ans. Défenseur pur. Ok. Travis Sennheim. On pourrait peut-être les scouts aussi, hein. On pourrait peut-être scout ces joueurs-là. On va essayer d'envoyer de, des scouts. Force Lane oubliez ça. Force tri... euh, non. Défenseur offensif, non. Noah Anafin, non. J'aimerais peut-être un défenseur un peu, hein. un David, Rainbacker? David Rainbacker? 22 ans, 84 overall, non. Pourquoi le Canadien? Justement, le Canadien traderait un de ces quatre-là pour faire de la place à Rainbacker et Caden Gooley. Ok. Euh, Sennheim. Y a-tu moyen de scout un Sennheim On peut-tu. Aucun aucun recruteur. Okay. Un instant. Ok, on a arrangé. Il y avait deux scouts dans la centrale. Division centrale, donc c'est pas vraiment payant. Um, ok, défensivement. On a, ils, ont, ils ont un défenseur de Landeskoga okay. qui ont vraiment pas besoin. Le Canadien, c'est vraiment la L'équipe la, la, la mieux nantie là, pour euh, faire une transaction. Ok, Anafin. Puis je peux prendre du salaire. Là. Ça, ça ne me stresse pas pas à tout. Noah, On va faire complet. Euh, Sennheim. De toute façon, c'est tout dans la, même, euh, dans la même équipe. Ça devrait pas être dur. Sennheim. Complet. Donc, Carlo. Euh, Oups, c'est Anafin qui est scouté. Carlo, même chose. Complet. Fait que Carlo, Sennheim, Alephine et Forsling. Complet. Excellent. Donc on va faire les scouts. Je vais voir qui peut fitter dans notre équipe. Mais le Canadien de Montréal, pas mal sûr qu'on va faire une transaction avec eux dans les prochains, prochains jours, prochaines semaines. J'aime le fait qu'on brûle pas Renault. Et j'aime aussi le fait qu'on qu peut se permettre d'aller faire une transaction. Puis je le sais. Je sais que vous allez dire que je brûle la reconstruction. Oui et non. Si on est une bonne équipe, tant mieux. On est une bonne équipe. Je pense pas que j'ai nécessairement brûlé d'étapes, par exemple. Ça, il faut faire attention. Je pense pas que j'ai brûlé nécessairement des étapes en, en faisant les acquisitions que j'ai faites. Il faut se préparer à, dans 2-3 ans, quand on va être prêt à gagner, il faut avoir une équipe et des joueurs qui sont prêts à gagner aussi. C'est ça qui arrive. Il faut avoir des joueurs. Il faut, 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 à un moment donné, se préparer à gagner quand nos jeunes vont être avec des petits contrats. Parce qu'on ne peut pas gagner quand tout le monde demande la lune en termes de salaire. Bon, Carlo. Deuxième paire, Ling, Première paire, Sennheim. Quatre meilleures paires. Donc Sennheim m'intéresse et Anne Donc ça se joue entre Carlo, non. Ça se joue entre forceling défenseur offensif évidemment, et Travis Sennheim. Je pense que j'aime bien Travis Sennheim. 4 ans 6.2, ça ne me fait pas peur du tout. 85 overall il est bon partout C'est quoi ses stats l'an passé 9 points en 22 matchs Moins 2 20 points et moins 49 Non ah, je sais pas C'est quoi ses stats 89-89 de lucidité 88-88 pas si pire Noah Anafin 88-88 Et Brendan Carlo 89-81 Non ok Selheim m'intéresse il reste des, des, des années à son contrat en plus. Travis Sennheim m'intéresse beaucoup. Euh, défenseur. On leur trade quand même un défenseur euh, qui a une certaine valeur en Mahoura ou est-ce qu'on trade Arbor Jackaï? Défenseur pur. C est, c est, il est vraiment physique. Donc, ça prend Arbor Jackaï pour protéger nos jeunes, clairement. OK. Mahoura. Ça va être ciao. On profite de sa valeur aussi. Gardien de but, Et évidemment. En plus, ils veulent Coolies. Et est-ce qu'on n'a pas vraiment besoin de trade les autres joueurs que j'avais identifiés? Ok, parfait. Est-ce qu'ils veulent d'autres choses? Marcher les patineurs. Est-ce que le Canadien de Montréal veut autre chose que je pourrais me dire, OK? Ouais, Virgilio, évidemment, ça c'est ciao. Euh, pour le reste, c'est correct. Évidemment, je vais pas juste aller chercher. Euh, Sennheim, ça c'est sûr et certain. Brad Marchand, on pourrait on, on ramène Brad Marchand pour les jeunes à la place de Ross sur le troisième trio. Euh, non, peut-être pas Brad Marchand. Personne, non. Okay, personne là, gardien de but. Si je mais ils n'ont pas de prospect. Défensivement, c'est où Est-ce que je m'essaye un premier choix au repêchage Il vaut quand même cher un premier choix, ça passerait-tu Ça pourrait peut-être passer. Maura, Coolies et Virgilio contre Sanheim un premier, j'ai vraiment l'impression que je les crosse bien raide. Défensivement, Rainbacker, non. Justin Barron. Euh, non, ça vaut pas la peine. C'est quoi ces stats à Justin Barron Ça vaut pas vraiment la peine. Il est pas Spear pour un jouer. On pourrait le faire jouer avec Albert Jacky. Ah, non, 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 non. J'aime mieux regarder ailleurs. À droite, Caulfield Gallagher qui est en bas. Martoni? Oh Josh. Oh. Oh Joshua Roy. Oh, ça, ça m'intéresse. Okay. Joshua Roy ou Martoni C'est sûr que Martoni est plus jeune. Mais j'aimerais bien avoir un Joshua Roy pour qu'il puisse jouer cette année, peut-être à la place de Callum Ritchie. Je ne suis pas un grand, grand fan de Callum Ritchie. Maxime, non. Eineman, non. Farrell, non. Et au centre, Slaff est rendu à combien 82, 23 ans. Ils sont en train de l'échapper. Et sans Suzuki, Dax, de Dvorak, Beck. Beck. Ok, ok, un instant. Beck. Et à droite, Joshua Roy. Et, Marché des Patineurs. Si y a quand même besoin. Okay, on va y aller comme ça. Sennheim, Beck, Roy. Maura, Coolies, Virgilo. Mais, 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 attendez un petit peu. À droite, euh, Entwistle. Non, et qui qui veulent Entwistle, pac euh, À gauche, Boss, Brossois, Faneuf, Foggle. Brock Megan, si je pourrais trade un Brock Megan. Ils ont besoin de présence de vétérans. Et au centre, Crosby, Rest, Quincy, Strange, Castellix, Suzuki, Oslo, Yager. Je veux. Je veux pouvoir les aider un peu, là. Megan, non? Et à droite. C'est qui c'est? Brian Ross. Ok, non. On va juste trader Megan. Maura, Coolies, Virgilo, Megan. Il y aura plus de 50 patineurs. Fait qu'on va aller chercher un gars qui. veut laisser aller. Un Matheson. Non, 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 beaucoup trop cher, Matheson. Faut, faut que je commence à checker mes, euh, mes, mes affaires. Maoura, Coolies, Virgilio, Megan contre Sandheim, Beck, Roy et Henrik. Avec Virgilio, ils peuvent aller chercher un attaquant pour remplacer Beck et Roy. Moi, je trouve que ça fait du sens. Est-ce que le Canadien trouve que ça fait du sens C'est accepté. Oh my my. Ok, ben c'est accepté un instant. On veut, on veut rendre ça legit, mais en même temps, on peut essayer de profiter un mini peu du jeu. Un choix de 4 de plus pour le Canadien, c'est accepté. On va descendre jusqu'à temps que ça. C'est ça les négociations, c'est ça les négos. Un troisième, accepté, let's go. Let's go. Moi, ça me convient. Euh, composition, grosse transaction pour les, euh, pour les pingouins. Alexander degle Fleury, ça, ça me va dans le système. Zarenko, et on va essayer d'aller s'en chercher un autre. Queen News, Sennheim, Muse, Valley Mackey, Wallman, Jacky et Renault. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sennheim, on ne sait pas où ce qui fit encore. Et à l'attaque, Rust, parfait. Richie Becktersombaev. Est-ce que ça veut dire que c'est l'heure pour Richie de ne pas jouer ou de jouer à la place de Foggle? Ou est-ce qu'on envoie Richie en bas pour une dernière année? Ouais, on va envoyer Richie en bas pour une dernière année. De toute façon, ce n'est pas mon joueur préféré, Callum Richie. On a beaucoup de joueurs. J'aime mieux essayer de faire jouer un roi qu'un Richie. OK. Euh, défensivement, ça, ça va, gardien, ça va. Dans le système, défenseur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça en prendrait peut-être un septième. Et à l'attaque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ok, euh, non, Brussel ne joue pas. 13 avec Gogol. Ok, on pourrait peut-être signer euh, un attaquant de plus, un défenseur de plus, meilleure ligne NHL. Je fais tout ça et je vous reviens avec les lignes. Je pense que c'est une bonne transaction. Sennheim va aider les jeunes et dans 2-3 ans, Sennheim va être pertinent pour euh, qu'on puisse compétitionner pour une place à la Coupe Stanley. Ok, bon. Ok, pour les trios de l'équipe AHL, Antwistle, Richie, Maxwell, UN. 19 ans, Elite bas comme potentiel, Maxiel Yoen uh, et uh, Richie, on le sait. On a Anton Wahlberg, attaque à top 6 de puissance. C'est vrai qu'on pourrait, pourrait faire jouer Anton Wahlberg. Ouais, on va faire ça comme ça parce qu'on veut que les trois là, aient gros du Tadger. Défensivement, Sbarril, Johansson. Donc voilà pour défenseur. Et gardien de but, Zarenko et Cranley. Pour ce qui est de l'équipe NHL, Misa, Barrett, Ayton, Travis, Konechny, Jagger, Crosby, Feneff, Bayev, Oslund et Joshua Roy, Rust, Beck et euh, Warren Fogle. Défensivement, Hughes, Senheim, Muse, Renault, Valimaki, jakai, Powerplay, Misa, Konechny, Feneff, Muse, Hughes. Deuxième, Ayton, Crosby, Jagger, Roy et Oslin. On va faire plus ça comme ça. Euh, par, euh, Piquet, Ayton, Connectney Hughes, Renault, Beck, Tursumbaev, Senheim, Jackeye, Jagger, Crosby, Muse et Valley Mackie. Donc les jeunes ont du tangent à powerplay, du tangent à 5 contre 5. On roule Alexander, on va rouler en fait Gage, Alexander pour le premier match, mais il manque un, un élément avant de pouvoir poursuivre, et euh, si, j'aimerais ça avoir un 13e attaquant, je ne veux pas toucher à l'équipe Hitchell en bas, mais j'aimerais ça avoir un 13e attaquant, euh, du côté des agents libres, il n'y a pas vraiment d'options donc je veux juste marcher les patineurs, trouver un gars, un genre de Amadio, justement, qui pourrait jouer un peu partout, euh, Mike Amadio, ça pourrait être, <coughs> pardon, excellent, J'ai même pas besoin, je pense, de chercher bien ben plus loin que ça, en plus, les Dogs veulent le donner. Amadio, moi, c'est le genre de joueur qui m'intéresse. Euh, marché des patineurs. Mais, pff, non, je ne donnerai pas un joueur comme ça. Gardien recru. Je peux te donner un Merrick. Et un choix au repêchage. Justement, un quatrième. Merrick et un 4 contre Amadio. C'est accepté. Excellent. Donc, Amadio euh, fait partie de notre équipe. 13e attaquant. Walmun fait aussi partie de notre septième. C'est notre septième défenseur euh, dans le système. Amadio, on va le monter. On va continuer de faire jouer euh, Rust comme joueur de quatrième ligne. Ok, bon, match numéro 1, ça quand même, fait quand même une bonne demi-heure qu'on euh, qu qu gosse pour préparer notre équipe. C'est pas du gossage parce que on, notre équipe va être fin prête. Plafond salarial, ça c'est correct. On continue. Et le premier match des pingouins, des jeunes pingouins qui sont encore en mode apprentissage, c'est contre Nashville à domicile au PP, PPG Paint Arena. Quinn Hughes fait ses débuts avec les Pingouins. C'est le premier match de pas mal de joueurs aussi, dont Thursum Bayev. C'est le premier match aussi pour Joshua Roy dans sa nouvelle équipe. Il a joué quelques matchs l'an passé. Owen Beck. Owen Beck, c'est son premier... Non, il avait joué un match en deux. C'est son deuxième match dans la Ligue nationale pour Owen Beck défensivement. C'est en étant son premier. Quinn Hughes, son premier. Et dans les filets. C'est Gage Alexander qui va partir le ratio de deux victoires. Euh, deux défaites, pardon, avant de se faire changer. Donc ça risque d'être quand même une long, un long épisode. Et premier match, bang Michael ça deux buts. Et les Penguins vont chercher une belle victoire. Si on gagne cette année, tant mieux. Si on perd, on comprend ça. Et on est en mode, on sait, on est en mode apprentissage quand même. Défaite de 4-2 contre les Hurlers. Et Gage Alexander se fait sortir après 3 matchs. Brandon Yager, 3 points en 3 matchs. On va checker aussi tous les euh, plus et moins de nos joueurs. On pourra faire des changements au besoin. On pourra essayer des, des combinaisons comme ça si ça ne fonctionne pas. Bref, euh, défensivement, correct. Et gardien de but. Oh, je oh, suis con, j'ai la rotation des gardiens. <laughs> Gabriel Deg Oh, oh! Oh oh, deux matchs joués, deux défaites, 8-70. C'est le début. Ok, ben on va, là on va mettre Gage Alexander pour vrai. On va aller enlever la rotation automatique des gardiens, mais honnêtement, euh, 8-70 pour Gabriel Daigle. Je suis pas certain. Ok, Gage Alexander est vraiment notre gardien pour les deux prochaines défaites défaite de 5 à 4. Et contre les Sharks de San nosé c'est une... 7 à 5. My God, il y a beaucoup de buts qui se marquent. Gage Alexander a quand même gagné, même s'il a accordé 5 buts dans ses deux derniers départs. Victoire de 2 à 1. Défaite de 9 à 3. Aïe, 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 aïe. Après, après quoi? 7 matchs. Brendan Yager est notre meilleur pointeur. 7, 7 points en 7 matchs. Euh, on va regarder... Qu'est-ce qui se passe du côté équipe? Moins 4, le premier trio. Là, ça semble pas vraiment fonctionner pour... Le premier trio. Missa, Crosby, Connectney. On essaye d'autres combinaisons. Là. Hughes, Sennheim, Renault, plus 1 avec muse' C'est correct. C'est correct. Sennheim plus... et Quinn News, moins 2. 6 points en 7 matchs pour Quinn News. C'est correct. Gage Alexander et euh, Gabriel Daig, 8,59. 8-70. On retourne avec Daigle pour deux défaites. Et quand Daigle va avoir deux défaites, ça va être au tour de Flower d'embarquer pour ses premiers matchs de la saison. Gabriel Daigle contre les Kings. Victoire de 3-2. Première victoire dans la Ligue nationale pour Gabriel Daigle face aux Kings. On continue face aux Ducks. Corner. Sherry. Nope. Non, 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 non. Pas intéressé. Docks D'Alham. Défaite de 3-1. Flames de Calgary. Défaite de 2 à 1, c'est pas des défaites vraiment de la faute de Gabriel Daigle. mais on va changer c'est Flower qui va embarquer. Fleury va jouer un match, on a remis Eaton sur le premier trio et Crosby sur le deuxième, on change un peu les trucs contre les Maple Leafs qui ont une très très bonne saison jusqu'à présent. Flower va chercher sa première victoire de la saison contre Washington. Flower! Deux victoires en entrant dans la saison contre les Canadiens. Bang! Trois victoires de suite. De suite. Quatre victoires de suite pour The Flower. 17 points en 14 matchs pour Brendan Yager sur le deuxième trio Crosby. Yager fait 9 Ça fonctionne. Contre les cinq victoires de suite pour Marc-André Fleury. Et une défaite de 7 à 1 d'attit à 40-quelqu'un. Fleury a donné en masse à son équipe. My God! Euh, premier trio, ça ressemble à quoi? Premier trio, 3 buts, 8 passes, moins 5, moins 4. Le premier trio ne fonctionne pas vraiment, mais le deuxième roule à plein régime. 11 buts en 16 matchs pour Sid de Kill crosby Faneuf va super bien. Le troisième trio aussi va super bien. Et le quatrième va moins bien un peu avec Beck. Okay, je pense que Rust à 67 overall, c'est peut-être abusé. Uh, Amadio va faire son entrée dans la Ligue nationale défensivement. Quoi news? 12 en 16, moins 6. Sennheim, 1 en 5. Correct, correct, correct. Et voilà, Renault. Renault et Muse. Renault et Muse. Plus 7, plus 11. On les expose pas et c'est parfait comme ça. Et gardien de but fleuri. 8,99. Mais il a gagné des matchs. Maintenant, échange rapide. Daigle revient, mais c'est Gage Alexander qui va retrouver son filet. Mais pour l'instant. Gage Alexander je ne joue pas du gros hockey pareil. Là. On continue. Contre les Red Wings. Good job, Gage. Victoire de 5 à 1. Anthony Duclair. Non, Valley Mackey est. Euh, est. Euh, redemandé -re par les équipes. Coyote. Victoire de 3 à 2. Gage Alexander n'a toujours pas subi la défaite. 2 à 1. Les pingouins sont sur une super de belle séquence. Première défaite pour Gage. On continue contre les Flames. Valley ok. Un instant. Valley Mackie, là, n'est pas sur le marché des transactions. Chris c'est moi, patience. Défaite de 4 à 3, donc euh, on va faire jouer Gage pour pas être un back-to-back -back pour Gabriel Daigle. Défaite de 5-4. J'aurais dû enlever Gage Alexander. Bon. Euh, on va aller gardien de but. Bang bang. Gabriel Deggs joue du 8-96. Une victoire en cinq matchs. Pour Gabriel Degg, c'est pas mal là ou rien là, Parce que s'il ne fait pas le travail dans la prochaine séquence, on est quoi là euh, Au début décembre, s'il ne fait pas le travail, on va peut-être passer à l'envoyer en bas. Et Serge, Faneuf, tombe au combat. Ce ne sera pas une longue absence. Fait que je ne vais pas tout changer les lignes, mais je vais quand même apporter Rust ici. Et mettre peut-être un Josh Roy euh, avec Crosby et Yager. On continue. Contre Dallas, défaite de 4 à 2 pour Daigle. Et je pense que Serge Faneuf va déjà être de retour face aux Blue Jackets. Non, toujours pas. Donc, match contre les Blue Jackets. Faneuf est de retour. Donc, On va aller modifier manuellement les lignes. Josh Roy en fait... Euh, comment il va... Josh Roy, 5-9, plus 2. Crime, rien à dire. Donc, Josh Roy retourne avec Austin et Bayev. Et Rust, c'est Monsieur Faneuf... Qui va être de retour avec Crosby et Jagger? Est-ce qu'on a gagné contre Columbus? Oui, good job, Gabriel Daigle. Contre les Blackhawks de Chicago. Défaite de 5 à 2. Bon, décision. On a clairement une décision à prendre côté Gabriel Daigle. Gardien de but. 8-93. 2-6. 8-93. Non. Non, 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 non. J'ai dit que je ne voulais pas attendre trop longtemps. Euh, composition. Gabriel Daigle va aller jouer des grosses minutes en bas. Gardien de but. Dans le système, Zerenko doit tous les jouer juste parce qu'on a enlevé la rotation ou non Cri Ah non, c'est Crenley, parce que d'après moi, ça doit être Crenley qui était là. Ok, bon. Euh, NHL. Gabriel Daigle en bas. Et on va aller enlever la. Euh, meilleure ligne, modifier les lignes. On va aller enlever la rotation des gardiens. On va les remettre, pardon, la rotation automatique des gardiens. Parce qu'avec Fleury et Gage Alexander, c'est correct. Puis je vais quand même faire jouer Gage Alexander. OK. Comme ça. La rotation des gardiens automatiques, elle a été remise. Et maintenant, on va mettre Gabriel Deg. C'est pas un aveu. De mauvaise performance. Ce n'est pas nécessairement un aveu de défaite euh, pour Gabriel Degg. On l'avait averti, il savait euh, ce, qu il devait, euh, ce qui devait, qui, ce qui s'en venait si jamais les performances n'étaient pas là. On ne veut pas le brûler. Gabriel Degg va jouer avec l'équipe Highchell qui, j'espère, va bien. Wahlberg, Richie, ça va. Max Ul UN, Maxwell UN. Et le Club Hell fait comment pour euh, ma curiosité? 13-10-1, ça va les aider. OK, ça va les aider. Parfait. Bon. Trois victoires de suite, par exemple. On continue avec un goal. Il y allait avec un goal 76 aussi. Donc, Gabriel Daigle, en bas pour le reste de la saison. Ça ce, c'est ce, vendu. On va simuler l'équipe. Je trouve que ça va bien. Les jeunes sont à leur place. Donc, pilote automatique pour les pingouins en moins d'une grosse blessure. Et on se transporte jusqu'au euh, match contre le Kraken de Seattle avant la date limite des transactions. You win! 1er janvier, donc nouvel alignement. On va aller modifier ça après lorsque Maxwell va revenir. Zucker, non, je ne veux pas. Valimaki n'est pas sur le marché des transactions. On n'a pas une bonne séquence. Hartman, 3e, McLeod, non. Marc-André Fleury est blessé jusqu'au 1er mars. Ça fait mal, ça, parce que là. Non, on va monter euh, Zerenko, tout simplement. C'est pas, pas plus... Euh, c'est pas plus catastrophique que ça. Zarenko va monter. Gabriel Daigle et Cranley vont être là. Modifier les lignes NHL. Euh, Missa, y a t il quelqu'un qui a monté en overall Personne. Oh, Thursum Bayer est rendu à 82. Let's go. Euh, Beck, Amadio, défensivement, on a tu des augmentations Renault Muse, personne n'a monté en overall. Et gardien de but, Gage, Alexander et Zarenko. C'est dommage pour Fleury. Je pense que ça allait bien son affaire. Euh, retour à modifier les lignes. Gabriel Daigle. Cranley va jouer. Il fait quoi Gabriel Daigle depuis, euh, depuis qu'on l'a descendu Ok, ok. Mon dieu, je pensais qu'il avait pas joué. Il a joué 4 matchs 3 victoires, 1 défaite. 8-86. À date pour Gabi Daigle, c'est pas, pas parfait. Euh, c'est statistiques chez les pros. Mais bon. Adam Henrique. Bye bye. Et on va mettre Maxwell Ewan 19-11-2 pour le club école des Pingouins. Ça va vraiment mieux depuis quelques matchs. On continue la simulation du côté des Pingouins. 19-18-4. Honnêtement, je trouve qu'on est exactement là où on devait être. Euh, L'année passée, c'était vraiment une, un bug. Un bug complet. Ça aurait, ça aurait pas dû arriver, mais c'est arrivé. Mais là, on est vraiment. Je trouve que. Oh non, non, non! Les blessures. Les blessures. Queen You, 5 avril. Sa saison est. La saison de Queen Hughes est pas mal terminée. Ça fait extrêmement mal aux pingouins. Là. Michael Misa, une, lui, c'est une bonne nouvelle parce qu'il monte en overall. Crosby, Bice. Euh, tout le monde est pas mal resté pareil défensivement. Bon, ben, c'est pas compliqué, les boys. Renault et Muse vont jouer euh, en haut. On leur donne les grosses minutes. Là. De toute façon, la saison, elle est pas mal terminée avec. Cette blessure là. Valley Mackie, Senheim, Wallman, Power Powerplay. Euh, Wallman, non. On va faire échange rapide. Et on va mettre. Jagger. Et deuxième powerplay. Ayton Crosby Roy Wallman. Euh, qui on pourrait mettre? Muse Renault, non. À gauche, jakai, Valley Pourquoi pas un Sennheim en avantage numérique, Et ça c'est correct. Ligne supplémentaire, il jouait partout, Quinn News. il jouait partout, évidemment. Et tir de barrage, Rust, non, je ne veux pas que Rust prenne un tir de barrage, excellent, parfait, on peut backer. Qu'est-ce qui marche pas? Il y a des lignes qui ont des erreurs, c'est quoi les lignes qui ont des erreurs? Là? Un joueur en uniforme, quoi? Un joueur en uniforme 19, euh, option. Mais qui, qui qui joue qui devrait pas jouer? Là? Ça doit être, euh, non, nah, c'est ah yay, yeah, come on! Euh, retirez le joueur. Brian Rust. Euh, non, tu ne joues pas, mon ami. Ok, bon. On continue la simulation. On est sur une bonne séquence, le 3 victoires. 22-23-4. Contre les Devils. Oslo est blessé. 19 février. On commence à manquer de, 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 de joueurs à l'attaque. Owen Beck va monter sur le troisième trio. Et là, ben là, Brian Rust va jouer. Euh, Owen Beck va monter ça comme ça. Excellent. Il y a des erreurs. Power play. Oh, c'est vrai, power play. Euh, on va laisser. Échange rapide. Il n'y a personne. Thurston va jouer en avantage numérique. Euh, Ryan Suzuki, ça c'est en bas. Donc, nouvel alignement pour le coach. 24-24-5. On continue. Il reste quoi? Trois semaines avant la date Limite des transactions. Yusso Valimaki est blessé. My God, il y a énormément de blessures pour l'instant. Euh, C'est On n'est pas chanceux côté blessures. Modifier manuellement. Est-ce qu'il a des qu'on a un défenseur de plus ou non, là? Défensivement, est-ce qu'on a un joueur retiré? Oslin est là. Fleury est toujours blessé. Valimaki. Queen News. My God. Ok, un instant. Grants! va euh, faire son entrée dans la Ligue nationale avec Senheim. Euh, ça c'est correct et côté I Chill, on va encore avoir un besoin de euh, remplacement, on va faire remplacement rapide et on va ajouter Rossman, peu importe, excellent à l'attaque. Ça c'est parfait comme ça. Good. Bon, on continue. Oslo est de retour évidemment à la seconde où j'avais terminé mes modifications de ligne. Oslin est de retour. Donc, retirer Noah Oslin, welcome back à la place de Beck. Beck au centre, good. On continue <laughs> pour les trois prochaines semaines et je pense qu'on va s'arrêter à la date limite des transactions. Je veux savoir votre avis sur qu'est-ce qu'on fait avec les joueurs qui devraient être sur le marché des transactions et qui devrait euh, ne pas être sur le marché. Donc, Valley Mackey, welcome back. Tranquillement, tranquillement, nos joueurs reviennent. Ryan Suzuki, continué pour l'équipe High Chill, plus ou moins important. Fleury est de retour, modifié manuellement. Marc-André Fleury est de retour. C'est vraiment Queen News. C'est vraiment Queen News que ça fait mal. Zarenko, 9-4. Vadim Zerenko. 4 matchs, 3 victoires, 1 défaite, 9-42. My God. Et Gage Alexander, 909. Vraiment, Gage en joue du solide. Zarenko aussi, là. Zarenko a été plus que solide. On va le garder même en haut, Zarenko. Si jamais il y a une blessure, on veut qu'il soit pas loin. Bon. Il reste quoi Il reste un match avant la date limite des transactions. Sharks et Jose, victoire. 29, 26, 6. Donc, pas si mal. C'est juste notre division. Elle est, elle est très, 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 très forte. Les prédateurs ont seulement 11 victoires. Oh my God, les Preds. Ok, on s'arrête là. On fait le tour de la Ligue nationale. Et ça va être la fin pour cet épisode-là. 49 points en 61 matchs pour site the Kid, évidemment. On va aller faire un tour complet de la Ligue nationale. On est, quand même, on est quand même une fiche en haut de 500. Donc ça, ça va bien. Bon. But pour. On est en bas de 3. Donc c'est pas super bon. But contre. On est quand même pas si mal à 3.18. Powerplay. Ok, le power powerplay fonctionne pas du tout, mais. Quand tu parles Quinn News, c'est sûr que ça fait mal. Des avantages numériques, ça ne va pas du tout non plus. Donc, nos unités spéciales ne fonctionnent, mais vraiment pas. Euh, ok, parfait. À Crosby, 49 en 61, 25 buts. Jagger, 48 en 61. Ayton, 45. Connect 40. Serge Faneuf, 38. Quand même, c'est quand même pas si mal. L'an passé, il avait fait combien, Serge? 46, donc c'est en ligne pour le dépasser. Puis il est dans le positif. Michael Misa, 34 en 61. Ça avait bien parti pour lui, mais il va, il va se rapprocher du 63. C'est pas une super bonne saison pour Michael Misa, mais il n'y a pas un centre super offensif. Il est bon, Barrett Ayton, mais ce n'est pas la, une force offensive. Joshua Roy, ça va. Bayev ça va aussi. Noah Austin, Beck, Amadio Fogel, Rust. Défensivement, Quinn Hughes, ça allait super bien. Queen News, ça allait super bien pour le Queen. Il allait probablement battre sa saison, mais c est, c est, il aura joué seulement la moitié. Sennheim, 26, mais moins 12. Donc les deux ensemble, ça ne fonctionnait pas super bien finalement. Le Muse et Renault, ça fonctionne super bien, mais Renault ne monte pas. Valley maki Wallman, Grant, et dans les filets, Gage, Alexander, Fleury et Zaremko. Je veux voir I chill. Daigle, 23 matchs, 8-99, 13 victoires, 7 défaites. Donc tranquillement, Gabriel Daigle, à 21 ans. Je pense qu'il y a eu un an en bas. Ça va y avoir fait du bien, un, un grand bien même. Défensivement, on n'avait pas de prospect. Et à l'attaque, Entwistle, Callum Ritchie va super bien. Mais je pense que lui, il va falloir trouver une équipe preneur. Euh, Maxwell UN, 78. Donc tranquillement, il monte en overall. Et Wahlberg, 78. Ces deux joueurs-là. Uh, you, même Richie, Ewan et Wahlberg, va soit falloir faire jouer en haut bientôt ou bien les échanger pour uh, d'autres joueurs. Donc voilà pour uh, cet épisode-là. Je m'arrête avant la date limite des transactions parce que je veux uh, vous montrer les lignes et vous demander qu'est-ce qu'on fait avec les trios. Uh, Est-ce qu'on. Tu sais, moi je pense que Misa, Ayton et Konechny sont intouchables. Crosby, même chose. Fanef Jagger, ça bouge pas. Roy Austin thurston je vois pas personne. C'est peut-être un Warren Fogel, un Amadeo qui pourrait partir. Défensivement, Valimaki pourrait, pourrait décoller. Un souvalimaki Valimaki pourrait s'en aller. Même chose pour Waldman, pourrait partir. Et Travis Sennheim, je sais pas. Ouais, on vous peut me lancer des rushs pour Travis Sennheim, ce peut-être pas la meilleure transaction, mais en même temps, ça reste un défenseur qui a une certaine valeur. On a fait Sennheim, Roy et Beck. Et un choix de troisième, donc je trouve que c'est pas si mal. Tout est rien dans les commentaires. On arrête à la date limite des transactions. Je pense pas que les pingouins vont faire les séries. Donc prochain épisode, ça va être fin de saison, draft à libre Et l'an prochain, ce sera une année où il y aura des attentes. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez, abonnez-vous si vous n'est pas déjà fait pour plus. Bonne conversation, à la prochaine. Ciao, bye.